Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Song of Horror. On se retrouve pour tenter de fabriquer du luminol pour détecter visiblement des taches de sang avec notre lampe à UV. Ça ne peut que bien se passer. Moi je pense que ça ne peut que bien se passer. Mais lui c'est pareil, tu vas pas me dire que là, ça, c'est pertinent. Ces WC là. Là il n'y a pas de WC, nanana, entrée, milule quoi. Oui, il y a effectivement un WC avec une douche et un WC avec une baignoire, mais c'est quand même très con. Oui, c'est des cornes de pendu, tout à fait, Xebus. En fait, les cornes n'étaient pas là, on a été au fond du couloir, on a écouté la porte, on a dit il y a des bruits dans cette porte, ne l'ouvrons pas, on a fait demi-tour et bim, des cornes de pendu étaient apparues. Et attends, parce que c'est encore plus fun, parce qu'après on est sorti du couloir, du coup on a continué tout droit, on est sorti du couloir et la porte avait disparu. Et là on était bien. Et là on est mort. Relativement rapidement après. Alors. Oh la vache. Oh merde. Alors. 200 ml de stabilisant, peu importe la quantité finale. 1 ml de sulfoxyde de diméthyle et 2 ml de peroxyde d'hydrogène pour chaque milligramme de luminol. 50 ml d'eau distillée comme base et encore 100 ml, le mélange total fait plus d'un demi-litre. A, B, C, D. A, peroxyde, B, diméthyl ce truc là, C, stabilisateur, D, eau distillée. Ok. C'est des problèmes de plus bas que les bouteilles A et B sont identiques et leurs bouchons aussi. Ouais, ça m'aide bien. Les bouteilles A et B sont identiques. Ouais, effectivement, et leurs bouchons aussi. Super, mais vu qu'on me dit c'est quoi A et c'est quoi B, je devrais pas trop me gêner normalement. À quel moment on met le luminol? Quand tu as tout, mélange le luminol. Ah oui, ok. Il faisait combien notre luminol déjà? Je me souviens plus. Vérifions. Examiner. 150 mg. Ah mais je pense qu'ils sont tous traumatisés dans l'équipe de Dev Xebus. Hein. Franchement. Alors, 200 ml de stabilisant. C'est quoi le stabilisant? Stabilisateur, c'est le C. Il y a 300 minutes, c'est parti. Voilà, à la louche quoi. Ensuite, 1 minute de sulfoxyde de diméthyle et 2 minutes de peroxyde d'hydrogène pour chaque milligramme de luminol. Alors on va commencer par le sulfoxyde de diméthyle. C'est le B. Il nous en faut 150 mg. Ah ouais, mais alors on n'a pas de... Ah oui, il faut les bouteilles sont identiques, d'accord, et c'est les mêmes bouchons. Du coup on veut mettre 150, il y a 525, on va partir du principe que c'est pareil. 525 moins 150. Hein. Mettre l'autre d'abord et compter le nombre de secondes. Ah ouais, tu veux que j'ouvre en même temps? Ah putain, mais oui. Ah mais c'est l'enfer. Alors ah c'est quoi? Le peroxyde d'hydrogène, 2 ml de peroxyde d'hydrogène pour chaque milligramme de luminol, donc il nous faut 300 ml de peroxyde d'hydrogène. On a 525, 300 ça fait 225. Allez, on compte. Et t'es censé mettre la moitié de sulfoxyde, c'est ça? La moitié de quoi? Non. Me perturbe pas. C'est bon, on met 300 de ça. Où est mon bouton? Là. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors si jamais il y a les petits glou glou glou, ça arrête pile poil au même endroit. Donc du coup il faut qu'on mette deux fois moins, donc à peu près 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. À la louche! Moi, ce que j'aurais fait, c'est. Je vais ouvrir les deux en même temps. Je veux pas ouvrir les deux en même temps, ça, c'est franchement, c'est pas possible. Couper les deux en même temps, c'est pas possible non plus. T'as vu comment ça coule vite, c'est pas possible. 50 ml d'eau distillée comme base, encore 50 ml si le mélange total fait plus d'un demi-litre. On va faire plus d'un demi-litre, on a 200, plus 300, on est déjà à un demi-litre. Un demi-litre? Non, on est à 500 ml.
1 demi-litre, c'est ça. Donc il faut qu'on mette 100 ml d'eau distillée plus... Donc il faut qu'on mette 100 ml d'eau distillée tout simplement. Il y en a à 300. Hop, donc on est à 300. On met 200, 150, c'est ça, 200. On vérifie. Vu que de toute façon j'ai pas le luminol. Ah si, je peux mettre le luminol en bas à droite là. Non, je peux pas cliquer dessus. Vérifions. Ça devient bleu. Très bien, je crois que j'ai réussi à ne pas tout faire farer. Maintenant il me faut juste un moyen de transporter ce truc. Et ça tombe bien parce qu'on a ce sympathique petit pulvérisateur depuis le début qui nous sert à rien. Le révélateur est fin prêt. On va pouvoir vérifier s'il y a du sang. Mais où? Mais où? Sur le miroir. Non, c'était une armoire dont il nous avait parlé, je crois. C'est pas la peinture? Non, la peinture c'était le truc où il y avait le... Il y avait déjà le... on l'avait pas regardé, mais c'est là où il y avait le... Le... Comment? L'ampoule à UV de base, donc du coup ça doit probablement pas être là. Alors la garde-robe avec des taches de sang, la mise dans la cour a traité jusqu'à nos salles de stockage dans la cave, mais dans laquelle l'a-t-on mise? Voilà, c'est ça, il faut qu'on trouve la clé de la cage de stockage. C'est ça. Je ne me souviens pas de sa forme, de sa couleur. Oh là là. Pourrais-je révéler le sang laissé derrière moi? Je vais devoir acheter du luminol. C'est ce que la police utilise. Peut-être que de cette façon je pourrais retrouver le lot de produits qui contient la garde-robe et la boîte qui va avec. Ok, donc c'est ça notre objectif en fait. Du coup, faut qu'on trouve la clé. Alors je sais pas vous, mais je trouve que c'est un peu trop calme depuis un petit peu trop longtemps. Donc on va mettre pause, on va boire un coup. Ça s'impose. Allez. En fait le jeu il est tranquille. Alors Xebus, je pense que ça va être le moment où il faut se préparer à hurler là. Allez, on va essayer de retourner en vie dans l'appartement de machine. Dans sa mère. Ah putain, faut réussir à rester le rond blanc le plus proche possible du cercle pour pas tousser et pas qu'ils nous entendent. Ça va mieux quand on a compris le concept quand même. C'est bon Xebus, tu... T'es encore là? On avait 8 spectateurs, on est plus que 5 d'un coup. Je suis désolé. Merci Soren, c'est l'heure de trinquer. Ah la vache. L'autopsie du signe, tu as droit de poser une question. Une question autobiographique, Xebus, et j'y répondrai. Tu viens de tuer ma sœur GG. Et Yukov, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. Pas besoin, va juste voir un psy. Bon. Allez. Ouais, je suis d'accord. What the hell was that? Ouais, on y va, Daniel, on y va, on arrête de glander là, ça suffit hein.
Ah, mon rythme cardiaque revient à peu près à la normale. Donc ça, c'était le fameux silence dont il parle dans ses lettres, là, de temps en temps, le père Isaac, là. Et du coup, si on fait le moindre bruit, il se rapproche de nous. Et bah, si on fait suffisamment de bruit pour qu'il se rapproche de nous assez, bah... Rip, quoi. Enfin, j'imagine, ça m'est jamais arrivé, mais en toute logique, rip. Enfin, ça arrive, je crois, dans le trailer où j'avais montré le miroir. Là, ça partait en couille. Ce qui est bizarre, c'est que les sacs de stockage, ça paraît être celle de derrière. Enfin, je vois pas où est-ce qu'il y aurait d'autres salles de stockage. Ouais, non, mais ils ont beaucoup d'abstraction, non, pas d'abstraction, je sais plus. Enfin, ils sont très courageux. Ils veulent pas partir. D'abnégation, voilà, c'est ça. D'abnégation, merci Chobiti. Allez, on va essayer de monter. S'entraîner trop. C'était le troisième étage, on a dit. Mec, ça c'est une porte, ça. Allez. On va écouter avant de rentrer. Donc c'était le C, si je me souviens bien. On peut pas écouter, nickel. Bon. WC, WC, bureau, chambre. Tout au fond. Pas de stress. C'est quoi qui m'a motivé à jouer à ce genre de jeu? C'est la faute à Slan. C'est pas tout à fait la faute à Slan, comme le dit Chobiti. C'était une expérience à l'origine en fait. Slan avait une clé pour un jeu d'horreur. Ça intéressait pas beaucoup de personnes sur sa chaîne. Enfin, parmi les joueurs, les vidéastes, j'entends. T'as besoin d'écouter, c'est bon. Et du coup, j'avais envie de faire l'expérience en fait, parce que c'est pas trop mon style de jeu non plus, hein, très honnêtement, de tester en live ce que ça pouvait donner. Ce que ça pouvait donner de jouer à ce genre de jeu en live avec le chat, etc. Et du coup, on a fait une première expérience sur sa chaîne qui s'est vraiment super bien passée. C'était vraiment super cool. Bah, comme là, hein, on discutait, on avait peur ensemble, ça marchait très bien, les jumpscares étaient parfaits, etc. Donc c'était vraiment sympathique. C'était une très très bonne expérience et du coup, bah, j'ai décidé de continuer cette expérience. Et c'est complètement pas le style de jeu auquel je joue d'habitude, ni le style de jeu auquel je jouerais tout seul, clairement. Mais en live comme ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du monde. C'est pour ça que ça m'est arrivé une fois ou deux, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dépassé le samedi, où il n'y avait pas de spectateurs ou peu, genre une personne, genre Squash qui était là, quoi, c'était très gentil de sa part, mais c'est pas intéressant, quoi. C'est pas un jeu où je vais jouer comme du Battle Brother ou du City of Gangster pour avoir une VOD, quelque chose de sympa, un truc vraiment sympathique à jouer avec une aventure de la stratégie, etc. C'est vraiment du jeu où c'est l'émulation qui est intéressante, quoi. Du coup, on va faire appel à un ami. En fait, je m'étais plutôt censé louper parce que c'était la petite rouge du coffre. Ouais, bah c'est ça, c'était la petite rouge du coffre, donc elle était pas bonne. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est celle-là qui était en fait en plastique, probablement. C'est ça. Bon, on a fait appel à un ami sur Non, non, je te plante sur pas. ce truc-là. Merde, je me suis bourré. Refaire et redémarrer, c'est quoi la différence? Ok, ça m'en enlève juste une. Toc. Et donc, 1, 2, 3, celle-ci. Ok. Mais où est-ce qu'on a des salles de rangement? Elles sont pas au sous-sol? Bah, au sous-sol, tout était ouvert. Oh, t'as quelque chose de top. Ouais, alors, au sous-sol. Hop, voilà. Tout était ouvert, sauf... Ah non, il y avait une porte avec une clé, c'est vrai. Et l'autre en face, on n'a pas été parce qu'il y avait des bruits carrément douteux dedans. Et c'est écrit celle de stocker. Donc ça veut dire que c'est probablement celle de là. On va essayer toutes les clés, c'est pas très grave. Et là, il y a quoi? Là, c'est le bloc résidentiel. C'est là où on est. Là, WC, WC, chambre, c'est le truc d'Isaac. Ok, bon. Il n'y a pas de quoi se planquer. Donc on va espérer qu'ils vont pas nous faire de coups foireux. Chobiti éternue. Si vous voulez sursauter, c'est maintenant. Voilà. On est sauvé. On est sauvé.
C'est un grand mot, mais... Bon. J'espère que ça répond à ta question, Xebus, sur qu'est-ce qui m'a motivé à jouer à ce genre de jeu. Et je te cache pas que celui-là est d'assez loin le plus particulièrement gratiné. Le premier qu'on avait fait, Those Who Remain, il y avait du jumpscare, etc. Mais ça allait, quoi. Il y avait une ambiance, etc. C'était quand même assez flippant. On a quand même perdu Poslovitch parce qu'il a fait comme toi, il est arrivé pile poil au mauvais moment, justement où il y avait un truc qui nous sautait dessus, du coup il est arrivé, il a dit bonjour, il a fait je me casse, et il est jamais revenu sur un live d'horreur. Non, sur le Song of Horror, franchement, c'est Damned qui me l'a conseillé, et il faut avouer que la vache, l'ambiance, c'est horrible quoi, c'est vraiment horrible. Y'a pas d'autre mot. Je suis pas sûr que j'irai au bout, je crois qu'il y a 5 chapitres. Je crois que lui il est coincé au chapitre 4 actuellement. Mais je suis pas sûr que je pourrais aller jusqu'au chapitre 5 quoi. Franchement, c'est waouh quoi. Après, ça donne envie de savoir l'histoire et tout, hein, mais quel flip à chaque instant. Je passe par le magasin, c'est un peu plus calme en général. Ne me fais pas mentir, jeu. Ah ouais, mais moi aussi Xebus, hein. En vrai j'ai du mal à dormir après ces lives. Hein. Alors tiens, pendant qu'on est là, on va insérer notre petit jeton. Puisqu'on en a trouvé un. Hop. Alors, prédiction numéro 3, je vois votre avenir, qu'est-ce que je vois? Quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est très utile. Attention, on va arriver au moment où il y avait les mains sur les murs. Vont-elles être toujours là? Non. Pas de main sur les murs. Les effets de lumière, en fait, ça joue énormément dans ce jeu. C'est les effets de lumière, ils sont tellement bien réussis. C'est un truc de fou, quoi. Donc là, il y a la porte où Erika est décédée parce qu'il y avait un tout petit bruit qu'il fallait entendre après avoir écouté 2 minutes à la porte et je ne l'avais pas écouté assez longtemps. Et nous, du coup, on va sur cette porte là qui est normalement, il n'y a pas de bruit. Alors, il y a Chobiti qui crie donc on va pas écouter du coup. On va ouvrir. Et on écoute. Non, c'est calme. Franchement, c'est calme. Oh la vache. Good. Time to play detective. T'es sérieux? Ok, y a du sang. Une main. Quoi, y a une main? Mais là. Ah putain, y a des mains. Mais oui. Charge des casiers de rangement avec une armoire.
je respire. Ouais, la pression monte, hein. Ne passe pas la porte, arrête, non, ne fais pas ça. Une dernière gorgée d'eau, après on est mort. Parfait, on va par là. Attends, mais même, franchement, même si c'était dans un état normal, il serait flippant les casiers de rangement, quoi. Oh, mais vous êtes sérieux, le vieux mannequin de l'enfer. Eh, mais franchement, s'ils ont fait ces traces de sang en traînant l'armoire, c'était plus du... Elle avait plus de taches de sang, quoi. Il y avait un cadavre dedans qui pissait le sang, quoi. Là, il y a encore une main, mais ça continue, donc on va continuer. Mais qu'est-ce... Attends, mais il y en a une carte de ce truc-là? Carte non disponible. Parfait! Du coup, tu sauras pas ressortir. C'est parfait. J'aime beaucoup. Non, c'est la mauvaise. Merde, je dois retrouver là-bas. Ah, mais d'accord, il faut peut-être quand même que j'essaye toutes les portes avec des mains, du coup. Demi-tour. Oula. Un intéressant. Très très bien, parfait, c'est nickel. Quoi ? Ah, j'ai réussi. On avait carrément quelque chose là. Tu vas devoir retourner là-bas, mais ne retourne pas là-bas, mec. C'est trop ça, les voilà les habitants de l'immeuble. Non mais on est d'accord, ils dorment dans les caves en fait, putain. Oh là. Ben, en fait je crois qu'il me restait une gorgée. Je suis d'accord Xebus, faudrait passer l'intégralité de ce truc au lance-flamme. Bon, on dirait que c'est calmé, on rouvre hein. Attendez, ça va par là, là. Ah mais non, rien. Mais c'est complètement con, ça va par là, mais on peut pas y aller. What the fuck. Je remarque qu'on est redescendu à 5 spectateurs alors qu'on était remonté à 8. Merci Chubity d'avoir rempli la bouteille. Ah mais on peut, je peux même pas quitter sans sauver, je peux même pas sauvegarder ici. Mais par contre je comprends pas trop le trip du on peut pas aller par là. J'ai loupé j'ai dû louper une porte avec des mains.
Non, parce que là c'est celle où j'ai été me réfugier et c'était pas la bonne. Attends, il m'a dit c'est peut-être nana, non c'est pas la bonne, on est d'accord, c'est pas la bonne. Mais en fait le truc c'est que effectivement il y a les traces vont contre le mur. Mais le truc c'est que je peux rien faire, j'ai pas de. J'ai pas d'interaction quoi. Faut que je. Qui c'est qui est encore là? Une porte! Oh putain! Non! Mais il m'a dit qu'il y avait un truc à gauche là! J'ai pas pu y aller! Ah l'enfer! Bon bah c'est l'échec critique, tout le monde est mort! Allez, on va se refaire à la petite cinématique. Celle-là est plaisante aussi. Oh, je me réveille à l'hôpital! Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, Caldo! Sachant que cette foutue ciné-là, on peut pas la passer. Et que je me la suis tapée à chaque fois. Ça, on peut passer, c'est bon, les blabla, on l'a déjà vu du début du chapitre 2. Mais le coup du mec qui se réveille dans son lit, là, je me la suis tapée à chaque début de live en off. Donc c'est cadeau, je vous la mets une nouvelle fois. J'avoue que cette session est un petit peu infernale. Bon, du coup on a tous les persos de nouveau, mais on redémarre de zéro, donc je pense qu'on va arrêter déjà l'épisode de VOD là, parce qu'il est juste pile poil assez long, donc ça tombe bien. Et on va décider de comment on gère la suite. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ceux qui sont encore là ne sont pas malencontreusement décédés devant le live. Et on se dit ciao ciao tout le monde.